Bonjour à tous, nous poursuivons notre parcours pour rentrer un peu plus dans le message de Parelmonial et dans l'expérience du cœur de Jésus. Après la première apparition, où nous avons contemplé Marguerite Marie qui prend du temps devant le tabernacle et qui tout d'un coup est saisie par l'amour de Jésus avec ces mots « je t'aime passionnément » qui ne sont pas juste une déclaration d'amour, c'est aussi une expérience que Marguerite Marie fait. Elle dit qu'elle découvre pour la première fois les merveilles de son amour. Eh bien, nous allons rentrer dans une deuxième apparition de Jésus, qui a lieu 6 mois plus tard, à peu près au mois de juin, autour de la fête du Saint-Sacrement. Et Marguerite Marie est en train de prier justement devant le Saint-Sacrement exposé. Et pour bien comprendre cette apparition, il me semble qu'il faut entendre d'abord cette expression que je vous ai déjà donnée et qui est fondamentale pour Marguerite Marie, c'est qu'elle veut rendre amour pour amour. Vous voyez, on pourrait dire Marguerite Marie, elle a déjà reçu l'amour de Dieu. On pourrait dire c'est bon, ça suffit, elle a tout compris. Il y a quelque chose qui manque chez Marguerite Marie. Elle dit, mais depuis sa plus tendre enfance, ça ne lui suffit pas d'être aimée. Elle veut aimer en retour. De certaine manière, il y a quelque chose d'intégré chez Marguerite Marie, c'est cette parole des Actes des Apôtres, une parole qu'on approprie à Jésus. Hein. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Elle a beaucoup reçu de l'amour de Dieu, mais ça ne lui suffit pas. Elle veut aimer en retour. Et on pourrait dire que c'est un peu dans ce contexte qu'on reçoit la deuxième apparition. Pour ceux qui connaissent Parelmonial, la deuxième apparition, c'est celle que l'on voit dans la fresque de la Visitation, donc dans le lieu des apparitions. Jésus apparaît avec ses 5 plaies, et chacune de ses plaies sort un feu rayonnant, particulièrement de la plaie de son côté. On a l'impression qu'il y a un feu qui sort. Et Jésus dit à Marguerite Marie, il lui montre à quel point il a aimé les hommes. Et s'il avait pu le montrer davantage, il l'aurait fait. Vous voyez, cette parole, ce « davantage » est assez étonnant, parce que la question n'est pas simplement de donner sa vie. Vous voyez, Jésus n'est pas seulement un sage, un homme au milieu des autres qui a donné sa vie pour les hommes. En fait, Jésus est Dieu. Et ce davantage doit être compris dans le mystère d'un Dieu qui s'est fait homme. Vous voyez, je prends un exemple. Est-ce que vous seriez capable de vous faire petite fourmi pour montrer aux fourmis que vous les aimez? Vous voyez? Eh bien, ce que je suis en train de vous donner comme exemple est un exemple bien moins grand que ce que Jésus a fait. Car là, je vous parle d'une relation entre créature et créature. Et comment je vais montrer aux autres créatures que je les aime? Mais là, on parle du Créateur. Jésus, Dieu de toute éternité, s'abaisse pour devenir homme. Et non seulement il se fait homme, mais les hommes même décident de mettre à mort Jésus. Est-ce que si vous deveniez petite fourmi, et que les fourmis commencent à dire « lui, on veut le mettre à mort », est-ce que tout d'un coup, vous ne redeviendrez pas des hommes en disant « écoutez, je vais vous montrer quand même que je suis un homme, et je vais vous rappeler qui est le patron ». Eh bien, le grand mystère de Jésus, c'est que lui qui s'abaisse pour devenir homme, il donne sa vie pour nous. Et c'est cette expérience que Jésus dit, à quel point j'ai aimé les hommes. Et il va exprimer une plainte. Et les hommes, en fait, face à ce grand mystère d'amour, ils n'ont pour moi que des ingratitudes. Et alors il va demander à Marguerite Marie, est-ce que tu veux bien suppléer à leur ingratitude? Marguerite Marie, qui décide d'aimer Jésus en retour, eh bien, voit la demande de Jésus lui-même. Voilà ce que je te demande. Suppléer aux ingratitudes de ceux qui ne m'aiment pas. Prenons un autre exemple. Jésus fait un cadeau à tous les hommes. Et vous n'ouvrez même pas le cadeau. Vous voyez, une mère de famille a passé 3 heures à cuisiner un repas. Et la seule remarque, c'est un peu froid. Ça manque de sel. Bon, ben je pense que ce n'est pas très encourageant pour se remettre le lendemain au travail. Et à refaire encore un repas. Pour dire, c'est de petites ingratitudes. Mais là, c'est Jésus qui donne sa vie pour nous. Et les hommes n'ouvrent même pas le cadeau. Jésus donne son cœur, il donne son amour, et on n'en veut même pas. Et c'est là que Jésus vient vous voir en disant, est-ce que tu veux bien suppléer aux ingratitudes? Le contraire de l'ingratitude, c'est la gratitude. Est-ce que tu veux bien être dans la gratitude, et dans l'action de grâce, pour le don que je te fais? Est-ce que toi, tu veux bien ouvrir le cadeau et recevoir l'amour que je veux te donner? On retrouve cela un peu chez la petite Thérèse, hein, quand elle se pose la question « Pourquoi Dieu m'aime plus que les autres ?» Et sa sœur va lui dire « C'est pas qu'il t'aime plus que les autres, c'est que tu as un plus grand désir. » Si vous lui présentez un désir comme un petit verre de whisky, il va vous le remplir. Si vous présentez un demi, il va vous le remplir. Si vous lui présentez un tonneau, il va vous le remplir. Au fond, Seigneur, j'ai un grand désir et je veux t'aimer pour tous ceux qui ne t'aiment pas. On va rentrer dans cette deuxième attitude qui est une réponse au fond. La première apparition, c'est Jésus qui a l'initiative, qui vient montrer son amour à Marguerite Marie. La deuxième attitude, c'est est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, Seigneur? Et le Seigneur dit oui, sois dans la gratitude pour tous ceux qui ne le sont pas et accueille l'amour que je veux donner parce que beaucoup de gens ne veulent pas mon amour.
Nous avons médité la dernière fois sur Saint Jean, le disciple bien-aimé, qui se retrouve sur le cœur de Jésus, qui repose longuement sur le cœur de Jésus, un peu comme Marguerite Marie, qui avait fait cette première expérience le 27 décembre. Et bien dans la deuxième apparition, lorsque nous contemplons les plaies du Christ, nous pouvons être comme Saint Jean cette fois au pied de la croix, au pied du calvaire. Les disciples sont restés à distance. Est-ce que toi aussi tu vas rester à distance? Ou est-ce que tu veux venir au pied de la croix pour recevoir les fleuves d'eau vive qui jaillissent de mon côté? Est-ce que tu vas rester à distance ou est-ce que tu vas t'approcher pour recevoir mon corps livré, recevoir mon sang versé parce que je veux demeurer en toi? Deuxième expérience de Marguerite Marie, qui pourrait dire la réciprocité de l'amour, la joie aussi de recevoir mais aussi de donner. Et comment je vais pouvoir aimer Jésus, comment je vais pouvoir me donner à lui? Et bien voilà, en m'approchant tout simplement, nous verrons demain et bien d'autres petits gestes très concrets que Jésus va proposer comme application. Rentrons-nous aussi dans ce désir non seulement d'être aimé de Dieu, on en a fait l'expérience, mais demandons la grâce aussi d'aimer Dieu en retour. Et je vous propose donc comme exercice pour aujourd'hui, eh bien de faire des exercices de gratitude. Pourquoi au fond vous pouvez remercier Dieu ? Seigneur, je te remercie pour la beauté de ta création, je te remercie pour la vie, je te remercie parce que je respire, je te remercie parce que ce soleil, cette création sont belles. Mais en plus de cette création, je te remercie parce que tu t'es révélé au monde, tu nous as donné ta parole. Tu me parles, Seigneur, lorsque je prie par ta parole. Mais Seigneur, non seulement tu t'es révélé à moi, mais aussi tu m'as sauvé, tu me donnes le salut. Seigneur, je veux te bénir pour toutes ces merveilles, tout ce don de toi-même. Je te bénis aussi pour les relations, parce que tu me fais membre d'un corps qui est l'Église, pour ces amitiés, pour ces familles, pour ces gens qui sont autour de moi, qui sont des collaborateurs, des amis, des frères, et avec qui je découvre ton amour, et avec qui je approfondis, avec qui je rentre dans cette joie de la vie. Voilà, je vous propose donc d'entrer dans cette gratitude et de remercier Dieu, et notamment pour tous ceux qui ne le remercient pas. Eh bien, chacun d'entre nous, avançons justement dans la beauté de cette relation, comme le disciple bien-aimé, voilà, qui est bien-aimé de Jésus, mais qui veut aussi aimer Jésus en retour. Je vous retrouve demain pour la suite et le déploiement de cette deuxième apparition.